kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Msalimu Kristo wa Lord ya inote sinye Jesu Kristo. Amen. Tunafika wakati wa kusikia neno la Mungu. Zaifole kumumba da fende la parole de Dieu. Neno ambalo tutasitia mchana wa leo. Le thème du jour. Ni neno kuhusu habari njema ya Yesu Kristo. C'est à propos de la bonne nouvelle de Jésus Christ. Amen. Amen. Ahubiri habari njema ya Yesu Kristo. Plusieurs dénominations disent qu'ils prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons parler, voir en réalité les religions actuelles si réellement elles prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La différence entre une religion et une église. Mélange. Parle de la religion que c'est une église. Mais alors, Paul, serviteur de Dieu, il différencie les termes et montre que il y a une église, mais aussi il y a une religion ou une dénomination. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, 24e verset, au premier verset, jusqu'au 11e verset. Yesu akatoka hekaluni akakwenda zake, wanafunzi wake wakamkwendea kumwonyesha majengo ya hekalu. Lakini akajibu na kuambia, hamuoni maneno haya yote? Kweli ninawaambia ninyi, halitabaki jiwe juu ya jiwe pasipo maneno haya yote. Yatakuwa wakati gani? Na ni nini alama ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni msidanganyiwe na mtu, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watadanganya watu wengi. Kati maneno haya yatimie, lakini mwisho wenyewe hauja kuja bado. Saba, maana taifa litapigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, yatakuwa njaa na matetemeko ya nchi kwa pahali mbali mbali. Lakini maneno haya yote ni mwanzo wa uchungu. Halafu watawatoa ninyi kuteswa na kuuawa, ninyi na mtachukuliwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Halafu watu wengi watakwaa na watatoa ana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watasimama na kudanganya watu wengi. 12. Na kwa sababu uovu utaongezeka, mapendo ya watu wengi yatapoa. Itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na halafu mwisho utakuja. 13. Basi wakati mnapoona chukizo la uharibifu lililosemwa na Danieli nabii likisimama kwa pahali patakatifu, yeye anayesoma afahamu. Halafu wale walio katika Yudea wakimbie kwa mlima. Amina. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand sera cela arrivera-tu? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Amen. Yes, mon Dieu. Jésus lui-même, il était avec ses disciples. Et ils ont montré la construction du temple. Jésus leur a dit, tout ce que vous voyez, aucune pierre ne restera sur une autre pierre. Il a commencé à prêcher. Il leur a dit, au devant, apparaîtront plusieurs prophètes.
Wengi watakuja kwa jina langu. Pas mal de gens viendront en mon nom. Utawaona. Vous les verrez. Chini akasema. En bas il dit. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Et plusieurs faux prophètes apparaîtront. Akasema. Il dit encore. Lakini penu. Mais pour vous. Il vous faut. Il n'y a aucune chose que Jésus a dit que nous pouvons l'enseigner. Nous ne pouvons rien augmenter sur ce que nous. Puisque la Bible dit celui qui augmentera. Et il sera, on lui ajoutera aussi des fléaux. Et celui qui diminuera, on la verra dans les livres de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Pêchera. Une bonne nouvelle. Différente de celles que nous vous prêchons. Amen. Il sera maudit. Amen. Devant toutes les religions, devant toutes les nations, c'est lui qui va modifier la bonne nouvelle de Jésus. La parole que Paul a prêchée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt la Bible. Jean le dit. Ce qui montre que nous aimons Jésus, c'est puisque nous observons ce que. Et celui qui dit qu'il est Jésus, vous n'observez pas ce commandement. C'est le commandement de la vérité, n'est pas sur lui. Et c'est pourquoi je dis celui qui acceptera les commandements de Dieu et accepte le baptême au nom de Jésus-Christ et accepte de prier à l'heure. L'heure de prière du Canis, c'est l'église. Tunasema wale wote ambao wamesikia neno la Bwana lipate nafasi katika mioyo yenu. Tutaomba Mungu. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde. Nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Depuis que nous sommes tenus debout devant ton peuple, en annonçant la bonne nouvelle, c'est à quiconque a compris et qui ne veut pas faire le choix sera jugé par la parole. Nous serons toujours dans tes mains, nous te servirons au temps opportun. Nous te servirons au temps difficile, au moment favorable, quand tu le voudras, Seigneur. Que cette graine germe et grandisse et donne de bons fruits. Et c'est à vous qui viendra le jour de la moisson de récolter ce qui a été semé. Malgré que nous sommes faibles, charnellement et spirituellement, nous invoquons votre force, ta puissance, qu'elle soit avec nous. Dans le nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.